écoutez, découvrez, soyez curieux. Rockin' Foley, Independent Rock Radio. Hello, chers auditeurs de Rockin' Foley, j'espère que vous allez bien. Alors dernièrement, je vous ai emmené au Québec, puis du côté de Grenoble. Eh bien cette semaine, c'est en Bretagne que je vous emmène, et dans ma ville, à Rennes, pour découvrir ce bus. Comme à chaque fois, on commence avec un premier titre, voici Anger. Overwhelmed by his hesitations, we seem to forget each other. Oh,
Discover new rock horizons. La radio découverte. Subbuzz, c'est avant tout une histoire de potes. Alors, certains se connaissent depuis le lycée, d'autres qui ont évolué ensemble dans divers groupes dans les années 90. Autant dire que ça fait un moment qu'ils se connaissent donc, et qu'ils ne sont pas à leur première expérience musicale. Et puis un soir d'apéro, moment propice à pas mal de lancements de projets, hein, et bien voilà que l'idée de rejouer ensemble est lancée, et voilà le projet Subbuzz sur les rails. Alors, ayant en commun l'amour du rock des années 90, hein, la scène grunge, hein, les Soundgarden, Pearl Jam ou encore Alice in Chains, le metal alternatif d'un Face No More ou The Perfect Circle, mais aussi du rock alternatif de ces mêmes années 90, hein, comme Radiohead, The Strokes ou Idols, je pourrais en citer plein d'autres, mais avec ça, ça fait déjà un bel échantillon, parce que j'aurais pu citer aussi beaucoup d'autres groupes et d'autres styles comme Catatonia, Gorillaz, Tool ou encore Opeth, pour ne citer qu'eux. Hein. Et donc avec toutes ces influences, Subbuzz nous sert donc un rock aux accents grunge, ou un grunge aux accents rock, ça dépend des morceaux, en tout cas ça sonne vraiment bien. Des riffs sales du grunge et des mélodies bien soignées se mêlent entre eux, morceaux planants tout en restant puissants, bref des morceaux très efficaces. Côté discographie, le groupe a sorti un premier EP en septembre 2022, et cet EP qui contient 4 titres se voulait être une photo d'un instantané de leur son. Ces 4 titres ont été sélectionnés parmi une dizaine qu'ils avaient composés en amont, un EP enregistré en conditions de live, afin de restituer cette énergie qui peut être parfois diluée à travers différents effets en studio. C'est un extrait de Copy. Tout d'abord, quelques dates à annoncer. Ils seront le 17 juin à Passé pour la fête de la musique, c'est dans le 35. Hein. Toujours dans le cadre de la fête de la musique, le 23 juin, ils seront à Bréal-sous-Montfort, c'est toujours dans le 35. Et après, rendez-vous le 9 septembre pour un festival privé à Essé, et au mois d'octobre, au bar Auprès de ma blonde à Château-Giron. Mais pour cette dernière date, celle-ci reste à Calais. Et ça aussi, c'est évidemment, c'est dans le 35. J'essaierai au moins d'être à un de ces rendez-vous. Sinon, le groupe est en train d'enregistrer 2 nouveaux titres. Ils seront également enregistrés en conditions de live, mais avec une petite différence par rapport au EP, car pour l'EP, celui-ci a bien été enregistré en mode live. Ils étaient chacun dans des boxes séparées pour isoler les amplis des uns des autres, la batterie et la voix isolées, qui permettaient d'avoir des pistes d'instruments propres. Alors que ces 2 titres ont été enregistrés lors d'une répétition ensemble, dans la même pièce, pour trouver un son plus brut. Les réglages ayant été réalisés en do-it-yourself par Jérôme, le batteur du groupe. Sinon, ils ont pour projet de réaliser une vidéo, en mode do-it-yourself encore une fois, mais la priorité du moment reste les compos. D'ailleurs, en plus des 2 qui sont en train d'être enregistrés, 2 autres sont en chantier. Enfin, pour la fin de l'année 2023, début d'année 2024, le groupe souhaiterait pouvoir jouer quelques dates en mode plateau avec un autre groupe, mais pour le moment, ça ne reste qu'un projet. Allez, on se passe un deuxième extrait, voici Pitcher. Is it?
plaisir. D'abord parce qu'ils sont de bon coin hein, et que je ne les connaissais pas. Et puis bien sûr parce qu'ils font du très bon son. Et j'espère que ça vous a plu tout autant que moi. Si vous voulez les suivre, ils sont bien sûr sur Facebook. Tapez Subbus, S-U-B, espace B-U-S, tout simplement. Vous y trouverez le lien de leur Bandcamp pour pouvoir écouter cette EP qui est vraiment excellent. Comme chaque semaine, je rappelle que Projeti Rock, c'est tous les jeudis à 19h sur Rock en Folie, mais c'est aussi une chaîne YouTube où il y a plus de 400 groupes à découvrir, du rock, du métal ou du punk, il y en a pour tous les goûts. Donc faites-vous plaisir, et si vous aimez faire des découvertes, c'est 3 groupes par semaine à découvrir, donc abonnez-vous si vous êtes en recherche de nouveaux talents. On arrive à la fin de la chronique, il va être temps de se quitter, comme d'habitude. Je vais vous passer un dernier morceau, voici Truth. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau groupe de la scène française. Ciao! Yeah.
don't.